grande et ma joie de vous retrouver à ces rendez-vous de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux 7h de la radio-télévision nationale congolaise. Luanda, capitale d'Angola, abrite le Forum panafricain pour la culture de la paix, la deuxième du genre. La Biennale de Luanda a vu défiler le chef d'État et de gouvernements africains, parmi eux le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans son discours, encouragé les échanges culturels en Afrique, le dialogue entre les générations et la promotion de l'égalité de sexe. Giscard Kousséma. C'est par un vol non régulier des Congo Airways que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi matin à Luanda pour une visite éclair de quelques heures. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais est venu répondre à l'invitation de son homologue angolais, João Lourenço, pour participer à la Biennale de Luanda, un forum panafricain pour la culture de la paix initié par l'Union africaine depuis 2015. La deuxième édition de la Biennale de Luanda a l'avantage d'avoir réuni en présentiel autour de président Tshisekedi et Lourenço, le président de la République du Portugal, Marcelo Souza, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, le président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe et Villanova, les vice-présidents de Costa Rica et celui de Namibie, ainsi que de délégations des hauts niveaux de plusieurs pays. Dans leur prise de parole inaugurale, tous ces dirigeants ont vanté cette initiative de l'Union africaine, un espace de réflexion et de diffusion d'œuvres artistiques, d'idées et de bonnes pratiques liées à la culture de la paix. Pour le président d'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette biennale de Luanda valait son pesant d'or. C'est dire combien j'apprécie hautement que notre biennale puisse abriter une multiplicité de forums, notamment sur le dialogue intergénérationnel, sur l'engagement des femmes et des jeunes comme acteurs dans la prévention des conflits, sur la prise en compte du potentiel des océans et des effets des changements climatiques. Même l'apport de la diaspora dans les transformations sociales, fort heureusement, n'a pas été négligé. En effet, le combat pour la renaissance et la dignité africaine ne saurait s'arrêter aux frontières de nos pays ou même de notre continent. Il nous faut également favoriser une interchangeabilité et une osmose culturelle ouverte sur le monde, particulièrement entre Africains d'ici et d'ailleurs. C'est ce qui féconde l'ouverture dans un proche avenir à Kinshasa de la Maison de la culture africaine et afro-descendante, ainsi que le lancement du Festival panafricain de Kinshasa, Fespakin, de même que le Grand Prix panafricain de littérature. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'illustre Agostinho Neto Quilamba, président et poète, nous invite à regarder l'Afrique avec les yeux du futur. Lui, le chantre de la libération de l'homme et de la fraternité humaine, lui le poète des espérances sacrées, nous sommes réunis ici à Luanda, la terre de Njinga, de Ndongo et de Matamba, la contrée de Kimpavita, pour que brille davantage la lumière de la renaissance africaine dans des valeurs de paix, de fraternité et de solidarité, appelé à nourrir la zone de libre-échange continentale africaine. Après sa participation à cette première journée d'ouverture, le président de la République démocratique du Congo a regagné Kinshasa ce samedi en début de soirée. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, s'est envolé ce matin pour la Serbie, pays du Balkan. La mission de Daniel Asselo Kitoakoi s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations entre Kinshasa et Belgrade dans le domaine de la sécurité. Et le samedi dernier, il était en mission d'évaluation de la Serbie et de la situation de l'évasion de prisonniers à Matadi. Au cours d'une réunion, il a appelé les autorités provinciales à plus de vigilance. Images et commentaires.
Les faits sont réels, les défaillances ayant occasionné l'évasion des détenus à la prison de Matadi décelée et les leçons tirées après examen minutieux des circonstances de cet acte qu'il qualifie de sabotage. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a appelé les autorités politico-administratives, militaires et pénitentiaires à plus de vigilance et de rigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Très attentif, Daniel Asselo Kitowakoy a aussi pris tout son temps de prendre note tout en garantissant la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement à veiller à la recherche de la paix et la sécurité dans les milieux carcéraux, comme sur le territoire national. Nous sommes en train de nous battre et avec ce budget, nous pensons régler un certain nombre de choses. Et au niveau national, pour nous, mais aussi au niveau de la province, nous allons faire des efforts chacun pour que nous puissions nous dégager de cette situation qui semble mettre mal à l'aise toute notre population à travers la République. Donc vous savez qu'en matière de sécurité ou d'insécurité, il faut que les responsables à tous les niveaux obtiennent de la collaboration de la population. Non seulement que j'en appelle à la paix, mais aussi à la collaboration pour permettre et à l'autorité politico-administrative et à tous nos services qui gèrent la question de sécurité d'être plus efficaces. Et ça, c'est pour l'ensemble de la République. Les patrons de la territoriale qui a regagné Kinshasa ce dimanche matin laissent derrière lui une situation calme à Matadi, à la prison en particulier où la surveillance a été renforcée. Tous les responsables de ces chaos sécuritaires seront traqués et les hors-la-loi mis hors d'état de nuire, a rassuré Daniel Asselo Kitowakoy. On rentre à Kinshasa pour parler du ministre de l'aménagement du territoire qui a visité les officiers stagiaires de la 32e promotion de l'école du commandement militaire et d'état-major. C'était après son passage à l'IEC Gombe. L'Institut supérieur de commerce Kinshasa a déversé ce samedi 26 novembre sur le marché de l'emploi des dizaines de diplômés de master en gestion et droit des entreprises et en comptabilité au WADA et de l'audit. Présent à cette cérémonie, le président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo, a parrainé la 8e promotion de master en gestion et droit des entreprises. Quant à la 3e promotion de master en comptabilité au WADA et de l'audit, elle a porté son choix sur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guilouan Domboyo, pour la parrainer. Maître Guilouan Domboyo a reconnu avec modestie la lourde responsabilité de ses parrainages. Un secteur très important dans le cadre de la gouvernance, parce que la comptabilité, c'est le socle même de la réussite et du succès d'une entreprise. Je vous encourage donc à ouvrir, pourquoi pas, des cabinets d'audit pour offrir des services de qualité en gestion. Ces experts ont bénéficié d'une formation de haut niveau, fruit d'un partenariat entre l'Institut supérieur de commerce Kinshasa et l'Université de Liège en Belgique. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, a rendu visite aux officiers stagiaires de la 32e promotion à l'école de commandement et d'état-major. Eux aussi l'ont choisi comme parrain pour un accompagnement moral et logistique. Ils sont plus de 110 colonels, lieutenants-colonels, majors et capitaines qui recevront dans les prochaines semaines les diplômes marquant la fin de leur formation. Le rôle de l'Église chrétienne dans le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale en République démocratique du Congo, thème retenu et défendu par la ministre auprès le président de la République, Nana Mwananina, c'était à l'occasion d'une conférence débat en rapport avec la cohésion et l'unité nationale. On en parle avec Jacques Kabwaba. La salle des fêtes jumelles au quartier Rigini, commune de Lemba, ici à Kinshasa, a servi de cadre à la grande conférence organisée dernièrement par le ministère près le président de la République pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Thème retenu, le rôle de l'Église chrétienne dans le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale en RDC. Deux orateurs se sont succédés à la tribune. Il s'agit du révérend docteur Dieudonné Sitalouemba ainsi que la ministre près, le président de la République, professeur Nana Mwananina Kyumba. Le rôle des pasteurs dans le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale sont divisés. Plus nous sommes séparés, il nous est difficile de pouvoir atteindre nos objectifs ou de nous rappeler
le rôle de l'Église dans le renforcement de la cohésion et de l'unité. Le rôle de l'Église. Qu'est-ce que l'Église a à faire pour maintenir le peuple de Dieu uni et dans la cohésion? Et l'objectif que nous visons, c'est qu'après ces moments, que ce ne soit pas un moment de retrouvailles, de rencontres, de simples échanges, mais que ce soit un moment qui va nous aider, nous tous, à prendre conscience de l'état actuel, l'état de détérioration de nos mentalités. C'est dans l'unité et la cohésion nationale que l'étendard de la RDC sera relevé. Vers une solution à l'obscurité dans la ville de Kisangani, dans le noir, depuis plusieurs mois. On se joue sur place au chef-lieu de la province de la Tchopo. Denis Nyakeruchi Sekedi s'est intéressé à ces dossiers qui préoccupent les Boyomais et Boyomais. Elle a visité la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Naïcha Kiala nous en parle. Cela fait environ 4 mois que les Boyomais n'ont plus jamais vu une lampe s'allumer dans leur maison. Deux pannes simultanées des turbines à la centrale de la Tchopo ont totalement plongé la ville de Kisangani dans le noir. Une situation qui ne préoccupe pas que les habitants de cette grande ville, mais aussi la première dame de la République qui y séjourne depuis 24 heures. Déterminée à en savoir davantage sur ce problème et sur base des explications verbales reçues des autorités de la Société nationale d'électricité, l'épouse du chef de l'État a bousculé son agenda pour voir à quoi ressemble présentement cette centrale. Des termes techniques au plus simple, Denise Nyakeruchi Sekedi tente de comprendre les explications fournies par le directeur général de la SNEL ainsi que les techniciens à pied d'œuvre. Il y a une autre pièce d'étanchéité au niveau de la turbine. Ça a été aussi au même moment commandé en Afrique du Sud. C'est ces pièces dont nous sommes en train d'attendre. Et ça fait 4 mois. Pardon ? Ça fait 4 mois que ça dure. Oui, ça fait c'est depuis le 20 août. Pourtant, la détresse de ses frères Boyomé, la première dame de la République, a quitté le site avec des assurances. Au regard de l'avancement considérable des travaux, la ville chef-lieu de la province de la Tchopo sera très certainement éclairée de nouveau avant le début des festivités de fin d'année, a rassuré Jean Bosco Kayombo au Boyomé à travers la première dame. Elle est inquiète parce que ça prend du temps, la population attend, elle a fait une tournée. Et elle a entendu les cris de la population. C'est le message qu'elle venait de me donner. Il faut que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir remettre cette machine. Les services, vous lui aurez dit, donc là, il y a le noir, il ne faut pas partir, mais elle a accepté et dit qu'elle aille souffrir avec la population, elle vivre elle-même cette situation. Et elle m'a demandé, et j'ai accepté de rester jusqu'à ce que la pièce va être réparée pour pouvoir partir, que quand la pièce tournera comme ça, ensemble nous allons fêter ce jour-là. Le manque d'électricité est l'une des causes majeures de l'insécurité dans les villes du pays. Trouver une solution rapide, c'est protéger les populations du danger. La première dame de la République n'a pas omis de le rappeler aux autorités de la SNEL. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que la première dame de la République est arrivée ce dimanche à Bouta, province du Bazouélé. Aussitôt arrivée, Denise Nyakeruchi Sekedi a pris part aux festivités marquant les centenaires de la 14e communauté baptiste du Congo Nord avant d'entamer plusieurs autres activités. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les agents et cadres de la fonction publique experts comptables ont suivi une formation de renforcement de capacité et perfection sur la comptabilité générale suivant le système OADA. Cette formation organisée par le Conseil permanent de comptabilité du Congo pendant 3 jours a été sanctionnée par la remise de brevets. Rodé Panda nous en parle. 100 agents et cadres des entreprises publiques et privées ainsi que de l'administration publique ont reçu leur brevet de fin de formation sur la comptabilité générale et système OADA. Cette formation dispensée pendant 3 mois par des professeurs d'université et des experts en comptabilité avait comme matière notamment les états financiers, la comptabilité générale, la mission spéciale, la gestion des entreprises et le management. L'objectif poursuivi est de contribuer à la perfection de leur métier ainsi qu'à renforcer les aptitudes intellectuelles.
le directeur général du Conseil permanent de comptabilité au Congo, CPCC, Jean-Denis Kanyonga Tshisekedi, faisant l'intérim du secrétaire général du CPCC, a rappelé l'importance de cette formation. Le premier volet, c'est les apprenants qui ont suivi une série de matières qui pour les doter des outils capables d'être aptes à bien faire leur métier de comptable. C'est ce que nous avons appelé la certification en comptabilité. Il y avait un autre beaucoup plus élaboré qui les prépare à aspirer bien sûr à l'exercice de la profession comptable que nous avons intitulé la certification en expertise comptable. Il faut noter qu'avec cette formation, la République démocratique du Congo a des experts spécialisés en comptabilité et maîtrise en fiscalité. Le 5% de rétrocession aux régies financières DGDA, DGI ou DGRAD ne devrait souffrir d'aucun retard de paiement. Pourtant, le mois de septembre, octobre et novembre demeure impayé. Le président de l'intersyndical de l'administration publique n'a pas fait un point de presse pour interpeller le gouvernement de la République. On retrouve Rodé Panda. La presse est réunie dans son bureau de la Gombe, Fidel Kinyangi, a au nom des régies financières, des GERAD, des GI et des GDA, exigé au gouvernement congolais la rétrocession de 3 mois, à savoir septembre, octobre, novembre, dans un bref délai. Ces travailleurs qui collectent les recettes de l'État congolais ont aussi droit à une existence digne et humaine. La rétrocession aux régies financières est bel et bien légale et régulière. L'État congolais devrait donc s'activer pour éviter tout retard dans les paiements. Le président de l'intersyndicale des régies financières, Fidel Kinyangi, interpelle. L'intersyndicale des régies financières informe l'opinion tant nationale qu'internationale que depuis le mois de septembre, elles ne sont pas payées. La loi qui organise ces 3 régies financières a prévu une rétrocession de 5% à chacune des régies pour motiver ceux qui s'occupent de la récolte des recettes. Malheureusement, chaque fois, il faut que l'intersyndical intervienne pour que le gouvernement paye les régies financières. Nous pensons que trop, c'est trop. Nous donnons au gouvernement 72 heures pour appuyer les rétrocessions du mois de septembre, octobre et novembre. L'intersyndical des régies financières est monté au créneau pour réclamer ses droits, acquis, mais toujours disputés. De l'eau potable et de l'électricité pour toute la population du Haut-Katanga, de grands travaux s'effectuent au Sahela. Le gouverneur Jacques Kiabulakatou, qui supervise lui-même le travaux, a procédé à l'installation de transformateurs à Kipushi. Didier Mumba. Une visite du gouverneur du Haut-Katanga sous le site de frontière SA témoigne de sa détermination à résoudre la question de la desserte en eau potable à Sakania. Avec à ses côtés son vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy, Jacques Kiabulakatou s'est fait présenter le matériel en attente d'installation. Du côté de la tuyauterie, les travaux sont réalisés à 80%, mais la ligne électrique pour l'alimentation des pompes connaît un bémol. L'opération s'est arrêtée à cause des constructions des maisons par des particuliers sous la ligne. L'entreprise Frontier SA, partenaire du gouvernement provincial dans ce projet, compte saisir la justice pour ce faire. Toutefois, l'autorité provinciale demande à Frontier SA de faire diligence pour desservir Sakania en eau potable. Nous avons pris l'engagement devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de donner l'eau à la population, de donner l'électricité ainsi que d'améliorer les sociales. Et donc aujourd'hui, nous voudrions que Sakania ait l'eau. Et cela, c'est avec la contribution de la société Frontier qui, dans ses responsabilités sociétales, a pris l'option de donner l'eau à la population. Et nous sommes satisfaits, mais comme toujours, on veut que ce projet aille vite. De là, le numéro 1 du Haut-Katanga a inspecté la route Sakania-Longchi, 45 km sur les 90, qui sépare les deux entités, ont déjà été réhabilités. Sur son chemin de retour à Lubumbashi, le gouverneur et son vice-gouverneur se sont arrêtés à Mokambo. Accueil chaleureux à Jacques Kiabula, venu remettre sous service un nouveau transformateur de 315 kVA et les ténèbres ayant couvert la cité pendant plusieurs jours ont ainsi cédé la place à la lumière grâce à cet exécuteur fidèle de la vision de Félix-Antoine Tshisekedi dans le Haut-Katanga.
Deux volontaires recrutés par la Coordination pour le changement de mentalité, 2000 au total, vont participer à une formation sur le civisme fiscal. C'est pour qu'à leur tour, qu'ils puissent susciter la culture fiscale au sein de Congolais, auprès de Congolais. Patricia Ungoda d'Achabani. L'émergence de la République démocratique du Congo est tributaire notamment de l'appropriation de la culture fiscale par les Congolais et de tous ceux qui ont fait de la RDC leur seconde patrie. Voilà pourquoi la Coordination pour le changement des mentalités CSM, engagée dans la campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics, implique 2000 jeunes volontaires. Ces volontaires suivent une formation pour être outillés à sensibiliser la population sur l'importance des paiements des impôts, taxes et redevances dans la mobilisation des recettes publiques, recettes indispensables pour la réalisation des projets de développement du pays. Ils ont les mandats de 2 mois et vont sensibiliser la population à travers la stratégie porte-à-porte. Les coups d'envoi de l'atelier étaient donnés par les coordonnateurs de la CSM, Jacques Angoudia, en présence de ses deux adjoints et des représentants des régies financières. Cette formation va contenir 8 modules. Ça va leur permettre de pouvoir avoir de l'argument sur terrain afin d'interpeller notre population à instaurer la culture fiscale. Nous devions avoir une des expressions du patriotisme, c'est le volontariat, savoir travailler pour l'intérêt commun sans pour autant s'attendre forcément à un lucre, parce que la rémunération n'est pas dans le même ordre que lorsque on est comme un employé normal. L'appropriation de la culture fiscale par la population sera un déclic pour la maximisation des recettes du compte général du Trésor public. Clôture du samedi dernier du séminaire sur le processus électoral de cadre de l'APOSEM, structure rattachée à l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous dit Alain Bikaï. 3 jours ont suffi pour que les cadres de l'APOSEM soient dotés de techniques et certaines connaissances sur le processus électoral par les experts en la matière. Nantis de toutes ces connaissances, les participants à ces séminaires sont désormais formateurs des autres membres de l'APOSEM. Selon le président de ces partis alliés à l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jacques-Alfred Mundunga, ses assises ont permis à l'APOSEM d'affûter ses armes pour mieux aborder les échéances futures. APOSEM veut aller loin. Notre parti a choisi de former ses cadres pour qu'ils soient compétitifs et qu'ils soient en mesure, à leur tour, de former toute notre base. L'objectif était celui d'arrêter une stratégie devant permettre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de remporter haut la main l'élection présidentielle de 2023 avec une majorité écrasante tant au niveau national que provincial. Très émerveillés par leur formation, les cadres de ces partis de l'Union sacrée n'ont pas caché leur satisfaction. Certains partis politiques viennent réclamer au moment où ils n'ont pas compris le processus en entièreté. Ils négligent même de suivre le processus électoral et ça crée des problèmes à la fin quand il y a proclamation. Signalons aussi que ce séminaire a connu aussi la participation de plusieurs personnalités politiques et des partis amis. Les mouvements de Congolais unis, un autre parti allié à l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP, son sigle, confirme sa participation à l'élection de 2023, position dévoilée lors de la matinée politique tenue à Lubumbashi le samedi 27 novembre. Fifi Mukunzi. Les observateurs avertis voient déjà l'organisation des échéances électorales dans les délais avec la nouvelle équipe de la CENI. C'est le cas du leader du mouvement des Congolais unis qui peaufine des stratégies quant à ceux pour affronter les élections futures. Première expérience pour cette nouvelle formation politique, reconnaît son initiateur Jean-Paul Ilunga Tshivuila. Cet avis est aussi celui de la présidente interfédérale Viviane Esther Masengo qui s'exprimait ainsi dans une matinée politique ce week-end dans la ville kipufrère de Lubumbashi. Selon elle, son parti a hâte de concourir au scrutin prochain à tous les niveaux dans le cadre de l'Union sacrée de la nation. Notre motivation, c'est maintenant la tenue des élections de 2023 parce que ce sont ces élections qui vont donner à MCU son poids politique, qui va lui donner aussi un positionnement
parmi les autres partis politiques pour qu'après 2023, que nous puissions aussi avoir le droit au chapitre. Mais nous sommes à l'Union sacrée en passant par FDI. C'était une occasion pour Viviane Esther Massengo d'exhorter les cadres militants et sympathisants du parti d'exprimer d'ores et déjà leur ambition de candidature au sein de la commission électorale du parti. Les échanges en interaction entre d'une part l'oratrice et d'autre part les leaders du parti et l'assistance a constitué les derniers moments forts de cette rencontre politique à la base dans les Hauts-Katanga. L'Église n'est pas un abri pour les chômeurs ou de femmes en quête de mariage et autres. En tout cas, c'est ce que pense le pasteur Eugène Ekoutchou, fonctionnaire au ministère de la Formation aux professionnels. Il prône l'entrepreneuriat et l'auto-prise en charge. Nadine Yango. La vie est difficile, certes, et notre pays fait de l'emploi des jeunes son cheval de bataille. Cependant, au lieu de trouver un quelconque travail pour leur survie, certains jeunes trouvent refuge dans des églises, espérant que la manne leur tombera du ciel. Les permanences de certaines églises de réveil sont devenues des abris pour les sans-emploi, pratique fustigée par le pasteur Eugène Ekoutchou qui incite ses fidèles à la formation professionnelle et à l'entrepreneuriat. Je suis fonctionnaire de l'État. Pour l'instant, je suis conseiller au ministère de la formation professionnelle et métier, maman Antoinette Kipoulou. Moi, j'encourage les gens d'aller travailler. Vous savez, depuis Genèse, lorsque vous lisez les livres de Genèse au chapitre 1er, vous descendez un peu là, vous allez trouver que Dieu a béni l'homme. A béni l'homme par le travail. C'est la première grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. C'est le travail. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc le travail, c'est quelque chose que moi-même, moi, je suis dedans, je suis un travailleur, je travaille et j'encourage les jeunes d'aller aussi travailler. L'homme mangera par la sueur de son front, nous recommande la Bible, car c'est en travaillant qu'on peut aussi offrir sa dîme à Dieu. C'est par ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été de notre... Restez branchés sur le programme de la Radio-Télévision nationale congolaise.